À la une de ce Flash Info, on revient sur l'incendie d'une caravane dans un camp de Rome, dimanche dernier sur un terrain de l'université de Lille 1, terrain qui appartient à l'État. Une caravane a pris feu, blessant grièvement deux enfants âgés de 2 et 6 ans. Toujours hospitalisés, ils devront subir des grèves de peau. Un accident qui relance à présent la question sur l'avenir des Roms et les conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Il serait aujourd'hui 1500 sur la métropole lilloise. Gérard Caudron, le maire de Villeneuve-d'Ascq, estime que les flux migratoires sont mal gérés par l'Europe et que le gouvernement est dans l'impossibilité de réguler ses arrivées. Gérard Caudron dénonce enfin le non-respect de la loi. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro d'Aurélien Flamand. C'est comme ça qu'on rend une société folle. C'est comme ça qu'on provoque des réactions de xénophobie. C'est de laisser faire n'importe quoi par n'importe qui. Moi, je suis pas un excessif ni un idéologue en la matière. Je dis, moi, bienvenue chez nous, oui, mais quand vous venez chez nous, vous respectez nos lois et nos règlements.